J'ai même pris mon crayon à lèvres et mon gloss pour toi, Yana, pour que tu ne bouches de ouf, pour que tout le monde ait envie de te pécho. Les vraies stars de l'apéro déguisé de Nov sont un peu en retard. Légèrement, c'est ma faute encore une fois, je tiens à le préciser. Jérémy habite à 5 minutes de chez moi, quand il me dit je pars, il arrive 1h20 après. C'est parce que bon. Je suis entre les deux. Petit débrief, c'est entretenu. On est en prisonnier de Orange is the New Black. Là, nous voilà. Dessus, bien lui, sûr, il est toujours là. Sexy. Beaucoup plus sexy. Non, wow. Beaucoup plus sexy que moi. Elle. Elle aura pas de commerce. Et on a plein de tabous. On est trop beau. De où? Monte un coup. Wow. Oh. Update, je sors de la douche, l'apéro déguisé s'est passé à merveille. Depuis 2019, on n'y avait pas été à cause du Covid. Du coup, on s'est bien rattrapé, vous imaginez bien. Bref, j'ai un petit problème, ça faisait longtemps, c'est que je sors de la douche. Ça, surtout ça là, ça part pas. Donc si quelqu'un a une solution, s'il vous plaît, parce que moi, Jérémy Casto, il m'a dit « T'inquiète pas, Ilana, ça part super bien avec un peu d'eau et de savon ». The Bee, le savon! Vous croyez que j'ai envie de sortir avec ça? Moi, pas du tout, pas du tout. Pas ça, et encore moins ça. Encore celui-là, ça va, genre, ça passe. Mais pas tout le reste. Donc si quelqu'un a une solution, s'il vous plaît, en plus ce soir, rituel avec Perle et Laura, c'est que quand on a fini l'apéro déguisé, on va faire une sieste. Donc là, je m'apprête à rejoindre mon lit, et ce soir, on va au resto. Mais moi, je vais pas au resto avec ça, d'accord? Donc s'il vous plaît, si quelqu'un peut m'aider, merci.